Couillère. Pour le coup, il comprend sans comprendre. Il comprend cuillère, et puis après, il prend la plume en disant cuillère. Couillère. J'y pense pas du tout quand je le fais, mais c'est ça qui est très drôle. C'est que finalement, c'est ça qui est génial finalement dans ce personnage. C'est un peu comme Perceval dans un autre genre, mais c'est qu'on ne sait jamais finalement s'il a compris ce qu'il vient d'apprendre. J'ai rien compris. Donc, on est un peu désarçonné, quoi. Il apprend un mot. Cuillère. Cuillère. Ah ben ok, c'est drôle, on comprend. Puis après, il replace ce mot-là. Cuillère. Il dit, mais alors donc, il avait rien compris avant, quoi. Enfin, il y a un décalage. D'après le message de son ministre, il a pris des leçons pour parler notre langue. Il s'en sort pas mal, il paraît. Il a pris des cours. J'adore cette réplique de Lancelot. Il a pris des cours.